bonjour à tous. Très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors vous vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet arrière-plan? Eh ben oui, je vais vous expliquer pourquoi je suis avec cet arrière-plan dans cette vidéo. Pour les personnes qui me suivent déjà sur Insta, elles sont au courant. Pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Insta, je vous invite à m'y rejoindre car vous loupez beaucoup de choses, beaucoup de stories et beaucoup de publications. Donc je vais vous expliquer. Je suis en gros travaux, c'est-à-dire que nous allons changer tout le carrelage de notre rez-de-chaussée, la véranda, le salon, la cuisine, les couloirs, et plus tard on fera les deux chambres de mes deux filles. En attendant, il y a du carrelage partout, donc le carreleur va nous enlever tout le carrelage, va faire un beau réagréage et va nous reposer du nouveau carrelage. Ensuite viendra la pose de notre nouvelle cuisine qui sera posée le 23, 24 et 25 juin. En attendant, nous sommes le 22 mars, ce sera posé le 23, à partir du 23 juin, donc nous allons rester 3 mois sans cuisine. Cette vidéo pour vous expliquer comment s'organiser quand on n'a plus de cuisine. Je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti pour l'organisation et l'aménagement de cette pièce. Dans un premier temps, j'enlève toute la vaisselle qu'il y a sur les cartons. Le but étant de récupérer les gros cartons qui sont tout en dessous pour pouvoir les transférer dans l'armoire encastrée qui est derrière moi. Ça optimisera la place de cette pièce. Thank you.
m'arrêter là. Là, je vais ranger mes livres, tout ce qui est administratif dont je pourrais avoir besoin pendant ces 3 mois-là. Et puis, peut-être encore de la vaisselle, je vais voir. Mais c'est surtout des livres et des papiers administratifs. Allez, c'est parti. Après avoir fait un gros tri dans mes produits d'entretien, vraiment un gros tri, j'ai gardé le nécessaire et ce qui allait m'être utile dans cette pièce, que j'ai rangée, comme vous avez pu le voir, dans l'armoire tout en haut. Donc je réunis tout ce qui me reste, je mets tout dans un grand carton qui va partir dans le garage car c'est inutile que je garde tous ces produits qui sont en fait comme une réserve et qui encombraient cette pièce au lieu d'optimiser la place. Thank you.
Je voulais absolument cacher ces cartons qui sont pas très beaux visuellement. Donc j'ai eu l'idée de poser dessus une grande nappe rectangulaire orange pour rester un peu dans les tons du papier peint. D'ailleurs, cette pièce, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est l'ancienne chambre d'une de mes filles que nous allons refaire également. Donc voilà, j'ai eu cette idée-là de mettre des nappes, mais si vous avez des idées ou des astuces, encore mieux, surtout n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça m'intéresserait vraiment. Il me reste maintenant juste à ranger ce qui traîne sur la table. Donc il n'y a pas grand chose. Il y a par exemple mon appareil à croque-monsieur, mes plats de service, mon blender, mon petit bac où je range mes sacs de congélation pour pouvoir par la suite nettoyer ma table correctement. Me voilà arrivé enfin à la dernière étape qui est de passer l'aspirateur dans les moindres recoins pour pouvoir avoir une pièce propre et agréable. Donc je vous montre un petit peu en détail comment j'ai rangé tout ça. Donc au niveau de la grande armoire, hop, donc là je vous avais dit que je gardais une étagère pour mettre vraiment ce qu'on a besoin très souvent. L'ordinateur, mes agendas, les stylos, les règles, les choses comme ça. Là ce sont mes livres de cuisine. Là, ce sont des livres d'hiver, si on veut se détendre pour lire un livre. Voilà, j'ai laissé quelques livres quand même à disposition. Là, ce sont tous mes produits d'entretien.
Et là-haut aussi, ce sont mes produits d'entretien. Voilà, les éponges, les Swiffer, les sacs, les gants. Voilà, tout ce que j'ai besoin en réserve, c'est là-haut également. Alors, de ce côté-là, hop, bah, j'ai rempli tous les cartons qu'il y avait dans la pièce au fond à gauche. Donc, je les ai entassés là. C'est des cartons, bon, je peux avoir l'utilité, mais pas souvent. Donc, je les ai entassés là. Voilà, le croque-monsieur, mes sacs Ziploc pour congeler. Là, ce sont mes plats que je vais avoir besoin assez souvent. Et puis là-haut, c'est mon blender. Donc tous les cartons, normalement, je ne devrais pas les utiliser. Alors, je vous montre la pièce. Donc j'ai installé la table au milieu de la pièce. Comme ça, les cartons qui étaient là, ici, ne sont plus là, sont dans l'armoire. Voilà, là, ce sont les cartons que j'ai pas pu ranger dans l'armoire. Donc j'ai mis des petites nappes pour faire assez joli. Et puis j'ai décoré avec ma panière de fruits, un petit vase. Et là, c'est ce que vraiment je peux pas ranger et que j'en ai besoin assez souvent. Voilà, ici j'ai rangé comme j'ai pu aussi. Donc on a un four, on a un micro-ondes, on a une plaque de cuisson. J'ai mis mes couverts ici, mes fourchettes, mes couteaux, parce que comme on en a besoin assez souvent, donc faut que ce soit à disposition. Là, il y a mon grille-pain, mon hachoir et mon compagnon. Et puis ici, j'ai tous mes torchons. Là, j'ai les ustensiles, les cuillères en bois, les louches, les pinceaux pour la pâtisserie, les pelles à tarte, les choses comme ça. Et ici, j'ai mes oignons, mes échalotes, mon ail et mes ustensiles derrière. Et voilà, je vous montre le rendu de cette cuisine d'appoint, si je puis dire, qui va nous servir durant les 3 mois à venir. D'ailleurs, j'aimerais sincèrement savoir ce que vous avez pensé de l'aménagement que j'ai effectué dans cette pièce. Vraiment. Alors dites-le moi en commentaire. La vidéo se termine, donc je vous ai montré un petit peu comment je me suis organisée pour vivre pendant 3 mois sans cuisine. Je me suis aménagée une petite pièce où j'ai tout fait pour que ce soit pratique et confortable. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir et ça me motive. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!